Pop à tous, c'est Olivier, on se retrouve sur Football Manager 2019 pour notre match contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Alors, j'ai du coaching à faire apparemment. On va mettre Touré. Cortinovis, hop, ici. On va passer sur la tactique habituelle. Là, on va mettre Hermani, normalement. S'il n'est plus blessé, c'est bon. Là, on va remettre Ivan. Ah, mince, Diego Carlos est suspendu. Je ne le savais pas. Et donc, lui, il est en quelle forme? Ouais. Mapu Yanga est mieux. Rongier, comment? C'est intéressant de savoir comment sont tes joueurs. Très bien. Evangelista. Ah! Ouais, du coup, on va quand même mettre Evangelista, hein, à place de Rongier. Bah écoutez, ça n'a pas l'air trop dégueu. Dommage, je peux pas mettre. J'ai trop de défenseurs. Cette saison, il va falloir que j'en bazarde un peu. Alors du coup, Rongier. Et là, on va mettre Giroto en cas de suppléant. Ça va pas l'air trop mal. C'est parti. Allons-y, soyons fous. Ok. Causerie d'équipe. Assuré. Allez, hop. Montrez-moi que vous êtes capable. Hop. Hop. Délégué adjoint, on s'en fout, il n'y a rien à dire. Et c'est parti. Oh ouais, ça attaque direct, hein. Ah ouais, d'accord. 19 secondes de jeu. Bah dis donc, ça promet. Ils ont pas fait semblant, hein. En même temps, je suis parti en positif, j'aurais peut-être dû aller en prudent. Allez, Tata, Traoré, Matisse. Matisse, il est en forme en ce moment. Traoré, bah, ça va être chaud, hein. Oh, ils défendent, mais c'est un mur. Regarde ça, c'est un mur. Oui, il marque. Enfin, il marque. Et je sais, c'est un jeu de mots pourri, mais c'est pas fait exprès en plus. On les félicite. Ignoré. Égalisation, c'est déjà pas mal. Oh, Tata Roussamou, j'aime pas quand tu sors comme ça. Hein. Hermani, perte de balle. Tata Roussamou dégage sur Marc Gaulle. Perte de balle. Oh là là, c'est trop. Oh là là, oh là là. On perd trop la balle là. Ah, milieu de terrain, c'est pas ça. On va mettre Touré là. Milieu défensif, défense carrément. Cortinovis, tu vas descendre d'un cran. Et. Hop. Ah non, merde, c'est pas ça. Paf. Voilà. Partir un peu plus sur du basique.
J'aurais dit que montrer que vous avez du caractère ou pas. Non, mais on va leur dire maintenant. Car est anxieux. Ah. Ah, mais à défense, sans Diego Carlos, c'est chaud, quoi. But. Ouh là là. Le Méli-Mélo. Ah, il est hors jeu. Tant mieux. Darwin Machis jaune. Pam 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 pam, consigne d'équipe. Oui. Non, ça je m'en fous. Demandez à votre adjoint. Bon bah. Il n'y a rien à dire à l'adjoint. C'est pas ça que je voulais faire. Consigne d'équipe. Hop, on va partir dans la largeur. Ouais, non, comme ça dans la largeur. Phase de transition, c'est bon. Sans le ballon, on est pas mal. Voilà. On va jouer un peu plus large et on va faire des centres et dès qu'ils ont la balle, les milieux offensifs, là, ils vont pouvoir tirer. Bon, première mi-temps, c'est pas ça, hein. On va les engueuler un petit peu. Allez les gars, on égalise, on prend 3 points. Oh putain, Ivan est blessé. Oh non, pas lui. Ah, il se blesse souvent, Ivan, hein. C'est un truc de fou. Cortinovic jaune. Matisse. Cara, Traoré. Oh oui, goal, goal, goal. Oh putain, Marc. Oh là là, il m'énerve. Je veux un nouvel attaquant. Bon, on va le remplacer. Mais nous devrions pouvoir le faire tenir. Ah bah attends, il va tenir. Hein. Ah, bah voilà. Quand je disais que j'en avais marre parce qu'il marquait pas. Marc au goal et en manie. Ah bah c'est sur un corner, impeccable. Impeccable. Deuxième but de Marc. Goal. Bon, on a égalisé. Bon, maintenant faut ramener les. Faut la victoire. Ah, marque jaune. Ouais. Charles Traoré, Alexandre François, puis remplacement rapide. Oui, Traoré. Non, c'est Traoré. Et Cortinovis, de toute façon il est averti. On va mettre Rongier à la place. Et Traoré, c'est ça? Problème, c'est si je sors Ivan, je vais quand même sortir Ivan pour faire rentrer Fabio. Par mesure de sécurité pour Ivan, j'en ai besoin. Espérons que ça soit pas trop grave sa blessure. Jaune pour l'attaquant du Borussia Dortmund. Putain, je peux pas le sortir, Traoré. Si? Putain, 59, il est cuit. Ah, il est cuit, cuit, lui. Bon, bah, on va mettre KMB. Hein. Bon, on a fait nos trois remplacements. Faut pas qu'il y en ait un BQBC là. Hein. Ah non, ça non, ça, jeu de par défense, j'aime pas en principe. Ils m'en mettent un à chaque fois quand ils jouent les mecs, ils jouent ça. Tactique. Bon, on est pas mal. Non, c'est bon, on revient sur le terrain. 4 minutes dans le temps réglementaire.
Bon, bah ça va finir sur un match nul. Hein. En sachant qu'ils ont marqué deux buts à l'extérieur. Allez les gars. Allez Rongier, tout ça là. KMB. Rongier, Evangelista, Fabio. Ouh, c'est pas sorti. Penalty là. Ah oui, bah oui. Allez Marc. Oh là là. Oh, je suis tout tendu. Marc, allez, vas-y, Marc, Marc, Marc. Oui! Ah, oh, bien! Mais normalement, c'est pas lui qui doit les tirer. Oh, il a tiré tout droit, quoi. Fin du match, victoire, c'est ce qui importe. Bon, avec un penalty, mais la victoire est là. On va au vestiaire, on va les féliciter. Causerie d'équipe, c'est une très belle victoire, bien joué. Alors là, défenseur, on va être véhément. Pareil. Et là, on va t'assurer. Voilà. Ils sont tous très contents. Espérons juste que Ivan ne soit pas trop blessé, que ça soit pas trop grave. Ah, Manchester a battu le Real Madrid. Boîte de réception. Actuellement, nous sommes encore deuxième, toujours deuxième au championnat, derrière Paris. Bon, Paris a deux matchs de retard. Donc ça va être tendu. Ouais, c'est quasiment. J'aurais pas le titre cette année, hein. Deux à trois semaines, hein? Bon, bah, traité au club. 3 semaines, c'est bon. Normalement, c'est dans 3 semaines le retour, c'est ça? Faut que je regarde. Goal songe. Sonne la charge du. Bah, on va le féliciter. Franchement, 3 buts. Lui qui marque presque jamais. Hop. Goal. Hein? Non. Oh, bah là, je suis pas dans la merde. Écoutez. Je suis dans le caca. Bah, j'ai qu'un seul attaquant. Et bah, il est suspendu pour mon prochain match. Magnifique. Oh, ça va être beau. Margot sera suspendu pour le championnat. Premier tour. Hein. Déception, on va être prudent, on peut pas se réjouir, bah oui. Mais il va falloir trouver un moyen de pallier à son absence. Et je sais pas comment faire. Si j'ai absolument pas d'attaquant. Cette année, je pêche là-dessus. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite victoire contre le Borussia Dortmund. Voilà, en Ligue des Champions, le match retour risque d'être très compliqué sans attaquant. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire, je vais voir. Peut-être faire monter un petit jeune, je vais pas avoir trop le choix. Ben sinon, moi je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, bon jeu et vive le foot. À bientôt.